Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alpha de Ready or Not. Et pour commencer, je vais vous présenter le lobby du jeu. Mais avant ça, je tiens une nouvelle fois à vous préciser qu'il s'agit de la version alpha et que tout ce que vous allez voir est susceptible de changer. Alors une fois connecté sur un serveur, on arrive dans un bâtiment qui fait office de lobby. 5 joueurs peuvent s'y connecter et la première pièce que nous pouvons voir est la salle de briefing où nous pouvons choisir notre mission. Au nombre de 6 pour le moment, elles sont déclinées sous plusieurs modes de jeu et plusieurs niveaux de difficulté. On peut voir par exemple un mode où nous devons désamorcer une bombe et un autre où nous devons sauver un otage. Je vais maintenant vous montrer le vestiaire où chaque opérateur peut choisir son équipement. 4 types d'armes sont disponibles et nous avons donc le choix entre des fusils d'assaut, des submachine guns, des shotguns et des armes secondaires. On notera la présence d'armes non létales comme par exemple le taser. Des équipements tactiques sont également de la partie comme par exemple l'Opti-One pour regarder sous les portes, un breaching shotgun pour exploser les serrures verrouillées des portes, des boucliers et le battering ram en guise de bélier pour défoncer les portes. Au niveau des équipements de protection, nous avons le choix entre une armure légère et une armure lourde. Et concernant les protections et accessoires de tête, nous avons des JVN, des masques à gaz, des lunettes anti-flash et un masque balistique. Des grenades flash, stinger et à gaz viennent s'ajouter à l'équipement. Et pour finir, nous avons le choix de prendre des explosifs C2, des câbles de porte et une bombe de poivre. Il y aura sûrement d'autres équipements dans l'avenir, mais franchement, pour une alpha, c'est plus que correct. Concernant notre avatar, nous pouvons le modifier en choisissant entre plusieurs avatars déjà créés et quelques camos différents. Et bien sûr, nous pouvons customiser les armes en ajoutant un viseur, un autre canon, une poignée ainsi qu'une flashlight et autres lasers tactiques. Une fois tout ça équipé, vous aurez la possibilité de tester votre équipement sur le terrain d'entraînement qu'on peut voir sous cette passerelle. On peut d'ailleurs voir Wolf juste en bas là avec son bouclier. Un stand de tir est également disponible et c'est les deux seuls endroits où vous pourrez ouvrir le feu dans le lobby. Dans les autres salles, vous pourrez juste embêter vos camarades, mais bon, je vous en dis pas plus. La bombe de poivre, ça fait le taf. Voilà, je pense avoir fait le tour du lobby dans sa première version alpha, et je vais maintenant vous laisser regarder une nouvelle mission faite en coopération en compagnie de Wolf et Nono, un abonné qui nous a rejoint lors du live. Je tiens à préciser que nous sommes toujours en phase de découverte et que nous ne cherchons pas à tryhard les missions et obtenir le meilleur score. Ça viendra par la suite. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage en espérant que cette mission va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, ce n'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est beaucoup. Et là je me tais vraiment, je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. Pourquoi vous me regardez? On passe par où? Bah écoute, je sais pas, on n'a pas les plans de la station service. Ah c'est vrai que c'est, ce serait bien qu'on ait un plan. Ouais, ce serait pas mal, mais ça viendra, c'est une alpha. Ouais. on va peut-être pas passer par l'entrée principale. On a ce côté là, on a derrière pour le côté restaurant et on a une entrée à gauche si je me souviens bien. Ouais, vas-y, on part sur la gauche. Gauche. Ok, la porte est fermée. Les fusils en rafale. Bon, je peux pas regarder avec le petit wand là. Ouais, je l'ai, moi. Ouais. Non, tu pourras pas. S'il y a une barre en métal en bas, là. Elle passe pas. Bah vas-y, tu ouvres et puis. Ok, faut déverrouiller. Le laser, ça peut aider pour tirer. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. J'ai rien à gauche. Clear. Vas-y, rentre quand Wolf il rentre derrière lui. Moi je rentre en dernier. Une porte à droite, une porte à gauche. Ah mais ça c'est une pancarte. Je croyais que c'était un mec. Ok, je check la porte. Ah, on pourra pas celle-ci non plus. On peut pas passer l'Opti-Wand là. D'accord. Vas-y. J'en trouve. Je vais pousser la porte hein, Wolf. Tu veux que je joue? Ouais, mais si tu m'ouvres complètement, ça va plus vite. Ok. Reste là toi. Ta gueule sur la droite, sa gueule. Il est où? Non mais c'est bon, c'est lui. C'est bon, il s'est pris un coup. vas-y, me note-le. Ok, c'est bon. Tu passes de quel côté? Bah, passer à droite. Ce sont les portes normales, donc tu peux te mettre sur le côté. Mets-toi sur le côté, prends l'habitude. Hein. Ouais, ok. Moi, à la limite, j'ai le bouclier, donc j'ai le temps de me décaler. Oh punaise, mais... donc un Pax, un tango à gauche. Quand je dis Pax, Nono, je sais pas si t'as l'habitude, mais moi c'est un garde. Donc à gauche, qui a l'air non armé, faut faire attention. À midi, on a un mec armé d'un PA, et en face, tout au fond, il y aura une civile. D'accord. Donc là, il y a deux mecs juste tout proche de la porte. Hein.
C'est quoi comme pièce, c'est une grande? Ouais, c'est le magasin, je crois. Ah, donc ça va peut-être pas. Ouais, tu peux pas flasher direct. Non, mais à gauche là, il est vraiment proche sur la gauche. Est-ce que tu veux que je mette un explo sur la porte pour les sonner les deux? Je sais pas si c'est vite. Après, on aura beaucoup de fumée, on va pas voir tout de suite. Allez. Recule, Nono. Ok. Vous êtes prêt? Donc, civil à midi, hein. Faites attention. Putain, ça a ouvert la porte aussi des toilettes. Il s'est rendu, lui? Ok. Ouais, à gauche, rendu. Ok. Je dépasse, hein. Occupez-vous de derrière, d'accord. Je dépasse. Nono, t'es derrière moi, là? Ouais. Vas-y, mets-leur les menottes, là. Je check à gauche. J'ai dépassé l'ananas, c'est bon, c'est clear. J'arrive à l'entrée. Contact 2, civil qui se barre de l'autre côté. Ils sont barrés. Hein. On progresse pas plus là, on attend là. Ok, j'ai un civil vers moi. Reste là, toi. Putain, mais. Reste là, toi. Reste là. Il se barre ce con là. Oh putain, bon. deux civils là. Bon, je le suis pas, hein. C'est trop dangereux, il m'emmène dans une autre pièce là. Ouais, revenez ici. Ah ouais. Attends, j'en ai encore un à me noter. Ah, pourquoi j'ai la cam de Nono qui est activée là? Bah, oh. T'appuies sur T, non? Non, c'est V. Hold V, ok, c'est bon. C'est bon, les gars, là, vous avez tout sécurisé ici? Ouais, les trois otages sont. Les armes également et tout? Civils. Les armes, je suis en train de les chercher. C'est quoi qui a pété? Je sais pas. Ça va vite, ok. Cab, non, j'ai pas de taser, j'ai pas pris de taser là. Et puis en fait, la touche pour le corps à corps, c'est B, faut que je la modifie, c'est pas bon du tout quoi. Vous avez trouvé les armes ou pas, les gars? Négatif pour ma part. J'en ai pas trouvé moi. Normalement, il y a un mec qui avait une arme, alors attends. C'était. À côté, hein. C'était le gars qui était à côté de la fille. En jaune? Non, il avait un. Non, c'est pas lui non. Ah si, c'est lui là, en jaune. Lui, il avait une arme. Ah bah, elle est là, son arme, regarde. Ah, okay. Bah, elle voilà, bah, est où? Ok. Ah merde, pardon. Arrêtez de casser, tout. Ouais, y'a tout qui pète. Ah, il se passait quoi au fond là du coup? Donc, la pièce du fond là qui a mes midi là, je suis derrière vous là, au fond, ouais. Y'a deux civils. Y'en a un qui se barrait en courant, j'ai pas pu l'arrêter. Et il est parti là-bas, y'avait un autre civil qui se rendait, donc la pièce du fond, y'a du monde. Est-ce qu'on y va tout de suite ou pas? Là, c'est comme tu veux, tu bah, me ouais. Dis. On y va tout de suite, ouais. Comment c'est qu'il y a du monde? Putain, tout à l'heure quand j'ai fait péter le C2 là, ça a explosé cette porte là aussi. Tu veux faire celle-là tant qu'on y est là, vite fait? Ah vas-y. Avec un peu de chance, c'est les toilettes aussi. Affirmatif, c'est les toilettes. Et race. Donc bon. Puis. Attends, je recheck cette porte, mais il y avait du monde. Hein. Donc il y a le civil qui s'est rendu à 1h. À midi, il y a un pax tout au fond. Qui est pas armé, mais bon, faut faire attention. Et celui qui est parti en courant, je le vois pas. Donc il doit être dans la pièce également. Ouais, oui, peut-être la pièce à droite. Ouais. Attends, je recheck un peu, parce que j'ai pas vu s'il y avait un piège. Non, c'est bon. T'es prêt, Wolf? Prêt à rentrer. Rends-toi, c'est bon, j'en ai deux. Il y en a un troisième au fond. Vas-y, progresse, passe, je vais les menoter eux. Tu sécurises au fur et à mesure les mecs derrière? Ouais, je m'en occupe. Voilà, si on était 4-5, il pourrait y avoir des mecs qui check ici, là. Ok, on a fait le tour. Ok. Il y a une pièce derrière le bar. Putain, il y en a blindé, hein. Et je commence à me noter. Hey, mais... J'ai deux portes moi. Je suis pas sûr d'avoir. T'es là-bas, Nono? Vérifie si j'ai bien. Je suis en train de me noter là. Ok. Vérifie les deux autres là si je les ai bien annoncés à la radio au QG là. Ouais, tout à fait. Ça marche. Donc on. Wolf, on va aller faire une pièce, il y a une pièce derrière le bar là. Je te suis. Ouais. Il y a un civil, où on était là. Avec un t-shirt bleu clair ou. Ouais, bleu clair. Ouais, jaune. C'est un brun là. Ouais. C'est lui qui se barre en courant. Ok, c'est bon, tu l'as intercepté. Ok.
Comment on fait pour passer? Ok, c'est là. Là, il y a une pièce, je vais checker. Ras, par contre, à une heure, là, il y a une petite ouverture là en dessous de la lumière. Je sais pas ce que ça donne derrière. On va check. Ok, je rentre, j'irai tout de suite à gauche. Non, à droite. À gauche, y'a rien. T'as rien à gauche? Ok. Non. C'est. Ok. Bah, c'est là où on était, non? Ouais. Ouais, c'est ça, ça remène. Suspect. Est-ce qu'il se rend? Il se rend. Il y a plusieurs portes, faut faire gaffe. Hein. Il y a des portes de partout. Là. Il y a des portes ouvertes en plus, ouais. Ah, je vois rien là. C'est la cuisine ou je sais pas quoi, je vois rien. Ouais. Je suis dans la cuisine aussi de l'autre côté, ta droite. Une menotte, ouais. Nono bon, a priori, il y a personne. Ok. Il y a encore des ouvertures derrière. Hein. Là, il y a le mec menotté là. On avait rien à récupérer. Oh, tu m'as fait peur. S'il y a un piège, Ouais, s'il y a un piège, c'est... Non, non, c'était déjà ouvert. Je sais pas pourquoi elle s'est refermée. Ok, race... Chikajibi... Ah bah t'es là. Ok. Ah, je vais checker cette porte, du coup, voir ce que ça... Il faut pas le signaler, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Enfin, regarde, okay. Mais normalement, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Parce que moi, j'ai pas les retours audio. Tu vois quoi, il a la tête arrachée ou quoi? Ok, j'arrive. Hein. Ah, vous avez recollé. Les autres portes, on peut les laisser fermer. Hein. Celle-là, ça recolle et celle-là aussi, normalement. Ouais. Ok, c'est bon, on peut retourner de l'autre côté. Tu nous rejoins, nous? Ok. J'arrive. Light stick away. Et du coup, ils sont tous signalés, hein. C'est bon. Ouais. Ouais. Après, on pourra vérifier si c'est bien le cas, hein, pour être sûr, si on est en fin de mission, pour vraiment être sûr. On a une vue sur le dehors, là. C'est quoi cette pièce, là? Je crois que c'est la cuisine. Ouais, je confirme. On voit rien ici, là. Attends, faut que je prenne l'habitude de me... Ok, me mettre en décalé par rapport à la porte, parce qu'en fait ils peuvent tirer à travers les portes s'ils nous entendent de l'autre côté. Je recheck un dernier coup, surtout s'il n'y a pas un câble. Ouais, ne vous mettez jamais en face des portes, hein. Enfin évitez autant que possible. C'est quoi que je vois en haut là? C'est mon... Ah ok, c'est un petit bug, c'est mon OptiWand. Ok, j'ouvre, on arrive dans le magasin là, normalement c'est clair. Ok. Pièce à gauche. Là, il y a une pièce de rangement, mais sur la gauche, je vois pas très bien. Il y a des étagères avec des cartons, donc je sais pas s'il y a du monde sur la gauche. J'ai rien vu moi dans le magasin. Okay. Non, c'est clair. Bah, on a traité tout à l'heure dans le magasin. Ouais, bon, on sait jamais, c'est bien, ouais. Ils aiment bien changer. C'est ouvert. Donc je disais étagère à gauche avec des cartons. Pas trop de visuel. À gauche, c'est ça, direct à gauche. Ouais. Ok, j'ouvre. Allez, ouais, c'est sombre. Bon, y'a personne. Des donuts géants. C'est bon, on a trouvé le paradis. Ils sont réussi. Tu je crois que c'était un mec, la pancarte, encore. Okay. On a pas trouvé tout le monde, non? Non, il nous manque des civils et des ennemis. Soit ils ont fait le tour, soit ils sont encore dehors. On jette un œil dehors. Il y a. Ils ont bien déclaré là. Là où on est rentré aussi, c'est. Rappelle-toi à l'extérieur, là, il y a une porte. Hein. Le garage ou je sais plus quoi, est-ce que c'est. Vas-y, on te suit. Il y a ici là. Juste à gauche là. Et on a bien déclaré aussi. Ouais.
Où ça, Wolf? Là, ça. Mais on est rentré par là. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ouais. Ok. C'est ce que je te dis, il y a en face. Ah oui, ok, ouais. Après, si on n'a pas fini, c'est qu'il y en a un qui est pas signalé ou. Ouais. Ou qui est bien planqué. Ok. Bon, on peut pas vérifier de façon. Regarde juste s'il y a un câble, Nono. J'ouvre doucement. Ouais, je vois rien de mon côté. Non. Ah, vas-y, tu peux ouvrir en grand. Il y a un mec au fond, c'est ça. Il vient de se rendre. Ok. Allez. Maintenant, il s'est rendu. Tu l'as eu ? Ok, bien joué. Ça, je fais le tour à gauche, Gigamion. Ah, les fins de kit met. Je récupère son arme. On a le truc de fin de mission, donc je pense que c'est. Voilà, faut juste récupérer son arme et le signaler. Ok, bah GG, messieurs. Ah ouais, bien joué. On va manger rapide. Du donut. Ouais. En 13 minutes, ouais, c'est rapide. Ah, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est une des plus simples, je pense. Ouais. On a pas dû faire beaucoup de fautes. Hein. Et un petit A plus. On a pas le petit S, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? Bah on les a tués, non, c'est ça. Enfin, il y en a certains qui sont tombés, peut-être. Ah, je sais pas, il n'y a pas écrit de, comme quoi on a fauté quelque part. Cool. Si, j'ai pas tiré une seule balle, moi. C'est vrai? Ouais. J'ai pas eu de gueule. J'ai pas tiré beaucoup non plus. Mais c'est mieux. J'ai failli, sur le dernier, j'ai failli, là. Si on tire pas, c'est bien. Voilà, ce que j'allais dire, niveau police, si on n'a pas tiré, c'est que la mission s'est bien passée. Bah oui, au final, c'est ça. Ah, GG, monsieur.